Ça a craqué hein, pour Mike Crack. Hein. La différence de performance entre Alonso et Stroll est faible. Donc, Stroll sera chez Aston Martin en 2024. Alors, j'en ai vu des faux culs en Formule 1, mais alors lui, je crois que c'est le pire. Hein. Interrogé pour savoir si Lance Stroll était indéboulonnable chez Aston en tant que fils du propriétaire, il estime que ce débat n'a pas lieu d'être pour le moment. Oui, vas-y, botte en touche. Nous saurons bien l'année prochaine avec les deux pilotes actuels. Je pense que nous avons vu au cours des dernières semaines un pilote très travailleur, qui essaie d'analyser chaque petit détail où il peut s'améliorer, en étant dans le simulateur en conduisant beaucoup, donc je pense qu'il n'y a rien qui aille dans ce sens. Il n'y a pas d'écart marqué en termes de performance, mais un écart marqué en termes de points. Bah, peut-être que l'écart de points, c'est parce qu'il y a un écart de performance entre les deux, non? Je sais pas, je dis ça comme ça. Il est important de faire la distinction entre les deux. En tant qu'équipe, nous analysons la saison des deux pilotes. Et je pense que nous devons, en tant qu'équipe, faire un meilleur travail de ce côté du garage en ce qui concerne la stratégie de course. Nous avons également eu des problèmes de fiabilité sur la voiture. C'est quelque chose que nous devons faire beaucoup mieux. Je pense qu'en général, entre les pilotes, il y a toujours un certain écart qui est, je dirais, non pas normal, mais circonstanciel. Parfois, il y a un peu de trafic, parfois, il y a un peu peur dans un virage. Mais je pense que les pilotes se tiennent normalement en 3e. Stroll peut être pareil qu'Alonso, vous l'avez vu l'année dernière. Nous avons eu toutes ces discussions lorsque Vettel a rejoint l'équipe et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas de même cette année. Bah, la raison est qu'il a quasiment 4 fois moins de points qu'Alonso, quoi. Donc il y a un problème. Ils peuvent panier qu'il y a un problème là. On peut se demander si Stroll est encore motivé à être en F1. Hein. On fera les comptes en fin de saison, mais bon, là, jamais il rattrapera son retard, c'est sûr. Ciao.